Ils ont commencé à cuisiner! Oui! Puis ils sont en train de jeter toutes sortes de cochonneries par terre. Ah, oh, c'est dégueulasse, ça. Ils ont peut-être besoin des poubelles. On va mettre des poubelles. Mettez la bouffe. Mettez la bouffe. Vous avez oublié des petits morceaux de bacon. Go, tout le monde! Check eux, là, ici, sont tous en train de faire le long des tours. Waouh! Je vais avoir assez de bouffe. Je vais avoir assez de bouffe pour tout le monde, peut-être. On va peut-être pas en avoir de problème. Il reste plus beaucoup de bouffe. Il reste plus beaucoup de bouffe. Est-ce que tout le monde a mangé? Pas tout le monde a mangé. Mais il reste la bouffe. La bouffe qui reste, c'est la bouffe ici, je te gage. Ouais. La bouffe pour eux. Puis c'est eux qui vont manger. Et puis tout le monde va manger. Wow! Il y a quelqu'un qui vient de se faire taiser. C'est quoi le problème là? Pourquoi tout le monde est fâché là? Ah, t'étais pas supposé aller là, toi! T'étais bien rouge ou t'es là maintenant parce que. T'étais bien rouge maintenant parce que t'as fait quelque chose de pas correct. Ok, ben bonne nouvelle, on a notre méga cuisine et notre méga cuisine. Fait de la bouffe. On va voir ici, 58, j'ai de la place pour 20 autres prisonniers orange. On va venir ici puis on va ouvrir ça. 14 nouveaux prisonniers orange, parfait. Vous êtes en train de faire des quotes de Tom Scott, c'est pas mal drôle. Il te faut un peu plus de cuisiniers. Et rapprocher tes réserves de la cuisine. Ouais, j'admets, hein, j'ai tout ça ici super loin, là, en ce moment. C'est où est-ce que je pourrais mettre ça? Parce que ça, ici, c'était mon stockage. Ouais, donc on va mettre le stockage ici, mais là, je vais avoir deux stockages. J'espère que je peux avoir deux stockages. On va faire ça juste vite de même. Tu peux danser sur la maison en chantant l'hymne du Canada avec un chapeau bavarois sur la tête. Je pourrais! Je pourrais, t'as raison. Est-ce que je vais le faire? Probablement pas. Il fait frais dehors, c'est la raison pourquoi je vais pas le faire. Mais je pourrais le faire, t'as raison. Ah, ça va bien, il n'y a pas personne qui a trop faim. On va bientôt accepter 14 nouveaux prisonniers. Ça fait un bout qu'il n'y a pas personne qui est mort. Ça va bien. Ça va bien. Ici, on a stockage. Donc là, s'ils veulent apporter des affaires de stockage ici, ils peuvent. Faudrait-tu que j'enlève l'autre stockage ici? J'aimerais ça. Pourquoi il y a du bacon par terre? Ok, ça ici, je vais vouloir la transformer en cellule. Ça aussi en cellule. Ici, je veux bâtir une grosse cour. J'ai la difficulté un petit peu à voir. Ce qu'on va faire. Pour le moment, les gens vont juste passer à travers de la douche. C'est pas de problème. Puis quand on aura 2 secondes, on tassera la douche. Je trouve qu'on fait beaucoup de maintenance. Ça fait un bout qu'on est pris à 100 prisonniers, là. Puis on fait beaucoup de maintenance. J'ai peur d'aller trop vite. J'ai peur que ça va tout exploser. Ok. Wow. Merde. Merde. Ok, est-ce que tout le monde a des tasers? Il y a des gilets de protection. Il y a des chiens. Je pense pas que tout le monde a des tasers par contre. Ok, on va y aller tout doux. On va y aller tout doux. Hey, arrête de battre le pitou, c'est pas gentil ça. Comment que je renvoie tout le monde dans leur chambre? Renvoie tous les détenus dans leur cellule. Moi, je vais commencer à tirer. Neuf, huit. Ouais. Ça se chicane quelque part d'autre? Non, tout le reste est correct. Check l'autre ici qui devrait faire le ménage. Wow. Quelqu'un qui dit dans les commentaires, appelle la brigade anti-émeute. C'est-tu ici, ça? Riot Police. Coût 100$. Une vanne anti-émeute, 6 policiers. Ça va bien, on n'a pas eu de besoin. On n'a pas eu de besoin. Mais là, tout le monde va rester enfermé aujourd'hui, là. Ça, c'est quoi? Inconscient, inconscient. Y a une personne de morte, là. Le pitou, le pauvre pitou. Blessé, blessé. Y a une autre personne de morte, là.
Ah, ok, pas pire. Ouais. On peut-tu... Tout le monde est fâché, là. On va enlever l'enfermement comme si les gens peuvent courir autour, mais... Commencez pas une autre émeute, là. Je pense qu'il y a pas de gardes qui sont morts. Y a-t-il des gardes qui sont morts? Ça a pas l'air à ça, hein. Ok, ça a l'air comme si on n'est pas si pire que ça. Ok, je suis tout bête à cause de ça, là. Tu parles de quelque chose, toi, là. Je pensais que c'était le début de la fin. La dernière fois qu'il y a eu une émeute, ça a été rough. Hein. S'il vous plaît, vous vous rappellerez le dernier épisode de la... On peut appeler ça genre la première saison, là. Ça a été rough. Mais là, ça a l'air comme si on était pas mal correct. On a été pas mal correct. Sauf pour tout le monde qui sont ici, là. À part de tout le monde qui sont là, il y a trois morts. Il y en a un autre mort là. C'est plate. C'est plate. Puis pendant tout ça, on a accepté des nouveaux prisonniers. Donc là, on peut en accepter 10 autres oranges, mais on a 17 qui s'en viennent. Donc on va fermer ça. Il y a du sang qui pisse partout, puis tout. C'est super le fun. L'épisode numéro 6, l'épisode qui porte malheur autant pour Prison Architect que pour Rollercoaster Tycoon 3. Pour de vrai? C'est quoi qui t'est arrivé dans Rollercoaster Tycoon? Je peux qu'elle parler. C'est quoi qui t'est arrivé dans l'épisode Rollercoaster Tycoon 3 à l'épisode 6? En fait, l'épisode 6, c'est toujours la fin de la pré-série. Ah oui, c'est vrai, l'épisode 6, l'épisode 6 original. Qui était la fin de. Oh, pourquoi c'est vert là? Je suis en train de penser. Je vais vouloir commencer à me bâtir d'autres cellules pour commencer à accepter d'autres mondes. Parce que j'ai besoin d'argent. Mais en même temps, j'ai le gros problème que. Tout le monde que j'ajoute, pour quelque raison, ils semblent tous vouloir s'entretuer, malgré le fait que là, ça va pas pire. Ok, on va finir ça ici, parce que ça ici, ça va être le plus vite à faire. Donc, si c'est plus vite, ça va peut-être nous coûter un petit peu moins cher aussi, si je veux même. Et comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Et puis, on va juste ouvrir ça. On va y aller une cellule à la fois. Tranquillement, pas vite. Ça va nous monter. Est-ce que j'ai des prêts ici que je pourrais prendre? Investissement à court terme. Faut que je donne 5 000, puis tu vas me redonner 16 000. Mais faut que j'attende. À long terme, faut que je te donne 5 000, mais tu vas me donner 16 000 à long terme. Recherche sur la nutrition. Quelqu'un m'avait dit que cette affaire-là était buggée. Donc j'ai peur un petit peu d'y toucher. Prison de production. 20 000 en avance. Les actionnaires veulent que vous augmentiez le profit de votre prison. Et ils sont prêts à investir, à produire 30 plaques d'écriture. Ça, je l'ai déjà fait, non? On dirait non, mais il me semble, ça devrait pas être si difficile. 30 plaques d'immatriculation. Je veux dire, ça, c'est des plaques, non? Fois 7. Ah, ça devrait se faire assez facilement. Ok, on va mettre des lits. Lits, 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 lits. Et on va de bord. Lits. On va mettre des bols de toilette. Bol de toilette. Lettre. Là. Et toi, t'en as déjà un. Donc, t'en as pas besoin d'un autre. Ok. Et puis, on va. Salle, on va dire que c'est des cellules. Et on va mettre une affaire de. T'es où, toi, là? Affaire électrique, toi. Juste au cas que quelqu'un essaie de rentrer quelque chose qui n'est pas supposé. J'espère que ça va pas coûter trop cher l'électricité. Voyons voir ici. Oh, pop, 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 on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Comment je fais pour l'allumer? Toi. Je suis plein d'électricité. Je suis plein, 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 plein. Faut que je me bâtisse une nouvelle patente d'électricité. Tout le monde mange. Y a pas personne qui tue personne. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Ici, on a ajouté une couple de nouvelles cellules. Pour quelque raison, on a des petits problèmes de installation, là. Toujours. Je sais pas c'est quoi ce bug-là, mais j'ai bien hâte qu'il règle. Le fait qu'il oublie. Il en met toujours pas une. Franchement, c'est nerveux. Ouais, on va mettre ça de même. On pourrait appeler les chiens moustichiens. Ils sont pas pris dans une des moustiquaires. Mais on pourrait. On pourrait. Je suis en train de penser côté chapelle puis bibliothèque. On pourrait mettre ça ici.
Je veux dire, ça ici, c'est un genre de couloir, donc on pourrait mettre ça ici. Ici, je pourrais avoir ma... Je pense que c'est une bonne idée, ça. Voyons voir, premièrement, c'est des nouvelles salles que je connais pas, mais je vais vouloir les essayer. Chapelle. Doit être au moins 6 par 6. À l'intérieur, avoir un altar, avoir des pews, et avoir un prayer mat. Librairie. Il y a 18 prisonniers qui pourraient être libérés, là, si on regarde 18 prisoners up for parole. Librairie qui est une bibliothèque. On va recevoir des boîtes de livres qui ont été abandonnées d'un petit peu partout. Les prisonniers vont pouvoir placer les livres et tout. Puis ça, c'est 5 par 5 à l'intérieur. Des affaires de bibliothèque et tout. Est-ce que je peux embaucher comme un bibliothécaire? Est-ce que j'ai besoin d'embaucher un bibliothécaire? Non. Est-ce que j'ai besoin de faire de la recherche pour une bibliothèque? Non. C'est quoi ça? Il permet de contacter un prêt de plus. Non. Un prêt en échange d'un paiement quotidien. Rembourser un prêt vous permet de contacter. Non. Je dis non. Si je manque beaucoup d'argent, je pourrais venir faire ça. À la fin, je pourrais venir emprunter de l'argent de la banque. OK. Faisons la planification. On va ajouter. Oups. On va ajouter ici. On va ajouter. Premièrement, on va étirer le couloir. On pourrait avoir une bibliothèque. Quelque chose comme là. Là, je sais que j'ai des murs ici, là, mais tain, là. Puis ça, ici aussi, là. Quelque chose comme ça. Ça, ici, ce serait notre bibliothèque. Ensuite, on pourrait avoir notre chapelle. Comme ça. Et puis, parole board, j'aimerais peut-être. On va remplacer les toilettes par le parole board. Ça va être drôle un petit peu, mais il me semble on veut garder ça proche de la sortie. Parce que les gens, ben, ils vont aller là, puis ça va être. Puis après ça, ils vont pouvoir partir. Je devine. Je sais pas trop exactement comment ça va fonctionner. On va essayer ça. Mais je voudrais garder les toilettes là aussi, peut-être. Je sais pas. On va voir. Salle de parole. Parole room. À l'intérieur, minimal de 5 par 5, table de parloir. Vos prisonniers sont éligibles parole après 50% et 75% de leur terme. Les choses vont être décidées ici. NB Extra Security is advised. Prisoners have been known to become quite upset. Faut mettre la sécurité parce que si ils sont pas libres, ils vont devenir tristes. J'entends des bruits, je sais pas c'est quoi. Ça fait whoop, 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 whoop. Et puis ici, on va démonter ça, on va démonter ça, on va démonter ça, puis on va juste mettre des vrais. On va aussi mettre des gardiens là-dedans. Et puis ici, on va faire ça même. Faut juste que quelqu'un vienne installer la table. Je pensais que j'avais mis un garde là-dedans. Ah, j'ai bien sûr, j'ai perdu toutes mes affaires, mais bon. Si je viens ici, déploiement. Ouais, on peut garder ça blanc. Je veux dire, même les gens qui sont rouges pourraient avoir le droit de quitter, peut-être. Donc, on va faire ça de même. Pourquoi pas. Donc, ouais, quand vous êtes prêts, vous pouvez aller discuter. Je veux quand même avoir ma bibliothèque, ma chapelle ici, parce que ça va être dans le milieu de tout. Et ici, il va vraiment tout avoir, toutes mes cellules. Donc, je vais vouloir mettre ça ici. Puis, j'ai beaucoup d'argent pour quelque raison. Donc, on va faire ça. Merde, là, je suis en train de regarder. Je veux le défaire. Je peux défaire ça ici sans avoir de problème. Matériaux. Détruire. Quoi? C'était quoi ce bruit-là? C'est quelqu'un qui chicane? Est-ce que vous l'avez entendu ou c'est juste moi, là, j'ai entendu un bruit? Ça me stresse, j'ai le cœur dans la gorge. Ok. Toi, démonter. Et puis on va venir mettre une fondation. Le v'là encore! Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu peux me dire? Pourquoi? C'est quoi ton problème? Hygiène. Ben va prendre une douche, il y a une douche là, là. Les gens sont dormés fâchés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes fâchés parce qu'il y a du monde qui marche dans la douche? C'est ça? C'est ça qui se passe là. As-tu des CCTV dans ta giga cuisine? Non! T'as raison, ce serait peut-être une bonne idée, ça. Ce serait peut-être une bonne idée, ça. Donc là, j'ai ça ici de fait. Donc là, ici, je peux venir ici et détruire tout ça. Je vais pouvoir bâtir. Je vais détruire ça aussi. Je vais pouvoir bâtir mes affaires ici. Puis après ça, on va checker ça. Parce que non, j'ai pas rien ici. J'ai deux gardes qui marchent en tour, par contre. Puis dans la cuisine, j'ai pas rien. J'ai juste eux. Mais en ce moment, je semble, pour quelque raison, avoir seulement un chef.
Il y a assez de bouffe pour tout le monde, mais il y a seulement un chef qui est capable de donner la bouffe à tout le monde. Je comprends pas trop pourquoi. Il y a quelqu'un tantôt qui avait dit qu'il me faudrait plus de chefs. Je l'ai pas fait parce que j'avais pas beaucoup d'argent, mais là, je pense que ça a l'air pas mal évident. J'ai besoin de plus de cuisiniers. 1, 2, 3, 4. J'en ai 10 là. Tout le monde, sortez la bouffe là, comme ça tout le monde peut manger, s'il vous plaît. Je veux pas avoir une autre chicane. J'espère que tout le monde va avoir le temps de manger. Qu'est-ce qui se passe ici? Parfait. On va venir ici. Déploiement, patrouille. J'enlève tout ça. Oups. Et voilà. Ok. Fondation. Construire. Attends, faut juste enlever ça. Ok, parfait. On va faire ça. Non! Oh! Il y a une barrière là encore. Ouh, j'ai de penser à autre chose. C'était quoi que je viens de penser? Je viens de penser. Un, deux, trois. Je vais me bâtir une autre affaire ici d'électricité. Parce que j'en ai de besoin. Putain, on va faire ça de même. Comme ça. Go! Bâtissez-moi ça, s'il vous plaît. Ça va coûter un petit peu cher. Mais là, je vais pouvoir séparer, mais faut pas qu'ils soient pluggés ensemble, c'est ça, hein? Je peux pas avoir une génératrice qui est pluggée sur le même réseau électrique que l'autre génératrice. Parce que j'ai vu dans les commentaires tantôt, ça va exploser. Donc, il faut que je fasse attention. Une porte là. Je sais pas pourquoi ici ça dit nécessite une entrée. Là, j'ai la difficulté à voir parce qu'il fait noir. Il y a quelqu'un qui vient de me bailler dans les oreilles là. Ça, c'est étrange. Comme ça. Ok. Service. Je veux une station électrique. 5 000 $! Ok. C'est cher un petit peu, là. Ok. Dans la chapelle, on a besoin d'altar pews puis quelque chose d'autre. Fourniture. Pews. Ah, cool! Ok. On va mettre un pew là, un pew là, un pew là. Prayer mat. On va mettre ça là. C'est quoi, c'est un tapis volant? Là. Et on va mettre. C'est quoi l'autre affaire que j'ai besoin de mettre? Un altar. Oh, wow, c'est fancy ça! Il y a quelqu'un dans mes oreilles qui vient dire ouh! Je dirais oui, hein. Ok, dans la bibliothèque, il faut que je mette le bureau d'un bibliothécaire. Qu'on peut mettre ça ici, ça peut être le bureau du bibliothécaire? Non. On va le mettre ici. Wow! Wow! Ça vient d'arriver dans ma face, ça. C'est quoi ça? Wow! Avez-vous vu ça? Ben, ok. Donc, ils ont décidé de se creuser des tunnels. Je sais pas trop ce qui est. Y a-t-il quelqu'un qui s'est enfui? Ils se sont pas enfuis, par contre, hein? Ok. Reboucher tunnel. On va reboucher ce tunnel-là, s'il vous plaît. Ok, puis on va continuer ici avec la bibliothèque. Je veux avoir des livres. S'il vous plaît. Donc ici, comme ça. Et puis on va mettre un là, un là, un là. Puis on peut même mettre des faux ça. Des sofas, s'il va s'asseoir pour faire la lecture, parce que je suis gentil de même. Ça va bien, malgré toutes les peurs que j'ai eues. Là, ça me rappelle qu'il faudrait peut-être que je fasse une fouille. Malgré l'émeute de tantôt, ça va quand même assez bien. Y a-t-il du monde qui vienne prier? Non. Y a-t-il du monde qui vienne lire? Non, mais il y a beaucoup de livres ici. Ah oui, on va recevoir les livres comme ça, juste en boîte. C'est pas ça qu'on ait placé les boîtes. Ah, ça, c'est intéressant. J'ai-tu besoin de faire. J'ai besoin de leur donner des jobs, ça que je pensais. Ah, ils vont être bien contents avec ça. Y a pas. Check, il y a encore, c'est toujours la dernière pipe. Ok, si je mets une pipe là, puis une pipe là, est-ce que tu vas mettre celle-là? Ça, c'est trois cellules qu'on pourrait utiliser là. On est à quoi? 64, on pourrait en avoir 88. Faire la mathématique, c'est 14 ça? Non, c'est 24. Oh! On va en avoir 8 nouveaux. Parfait, on va faire une fouille. Pendant qu'on est en train de faire la fouille, venons voir ici si on peut planifier, genre, quelque chose de nouveau ici. Est-ce que vous avez une douche? Non. Tout le monde utilise cette douche-ci, donc je crée une nouvelle douche ici. Il y aurait des douches des deux bords, et puis on pourrait arriver de même et faire ça. Ça ici, ce serait les douches de nos nouvelles cellules.
Là, ensuite, je pourrais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ici, j'ai besoin de garder. J'ai besoin de garder, genre, le couloir pour pouvoir me rendre là. Mais le couloir n'a pas besoin d'être long comme ça. Il peut être plus maigre. Mais ici, j'ai une porte. Donc, ici, je pourrais juste. Un petit peu. Une, deux, trois. Donc, ici, je peux mettre une cellule. Comme ça. On va comme ça. Le problème, c'est qu'arrivé ici, maintenant, ça fonctionne plus vraiment. Wow! C'est toi, tu viens de zapper quelqu'un dans la douche. C'est pas gentil, ça. C'est qui tu viens de zapper dans la douche, là? Bof, à mal avec l'électricité pis tout. Bzzz. Ça fit pas parfaitement, malheureusement. Faudrait que j'essaie de figurer comment faire pour que ça fit exactement parfaitement. C'est du taponnage. Je dois avoir une formule mathématique ou quelque chose pour être capable de faire ça. On va garder celui-ci-là parce que ça fonctionne bien. On va commencer du fond ici. On va juste essayer de même. Si je vais de même. Là. Là. Ok, ça je peux pas faire ça parce que lui ici a besoin d'être là, mais bon, c'est correct. Et comme ça, 1, 2, 3, comme ça. C'est cette TV-là, il va falloir qu'elle prenne la barre. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je peux en mettre d'autres ici. Attends, puis là, on a une grosse douche. Ouais, ok, ça fit. Oh, on a du travail à faire, mais ça fit. Ah, il y a une couple de personnes qui sont venues à la chapelle, là. Il y a une couple de personnes. Ah, c'est pas pire. Ça fonctionne. Oh, un autre livre. Place les livres. C'est ça, ta job. Place les livres. Ok, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Donc, voyons ici. Matériaux. On va commencer à démonter des affaires. Il va falloir qu'on fasse toute une grosse affaire ici. Faut qu'on démonte ça. Et boy, ça va être toute une transformation, ça. Ça va nous permettre d'accepter plein de nouveaux prisonniers. On a 20 nouveaux prisonniers. Non. 21 nouveaux prisonniers qui vont arriver. On a de la place pour pas 21 nouveaux prisonniers. Donc, on va fermer ça. On va essayer de. Je sais pas pourquoi je suis rendu ici. On va essayer de finir ça ici à temps pour pouvoir accepter tous les nouveaux prisonniers. Alright, go! Faites tout ça. Pendant ce temps-là, j'ai combien d'électricité, moi, là, ici? Pas beaucoup. Je sais que j'ai une place ici où ce que je veux mettre une affaire de détecteur de métal. On va venir voir pendant qu'ils sont en train de faire ça s'il y a une place ici où ce qu'on peut donner plus de responsabilité à notre génératrice. Je suis en train de penser. Si je défais ici et je défais ici, je peux ensuite plugger tout ça ensemble à cette génératrice-là. On va essayer ça. Démonter. Je veux que tu démontes là. Et je veux que tu démontes. Là. S'il vous plaît. Une fois ça c'est fait, tout le pouvoir ici va s'éteindre, mais on va leur plugger bien vite. Parfait. Ok, donc toutes les rouges en ce moment sont dans. Ils n'ont pas d'électricité du tout. On va leur donner l'électricité. Électricité. Comme ça. Et ensuite, comme ça. Et puis ça va faire que le sud de notre prison va être couvert par notre génératrice ici. Ça devrait être correct, hein? J'ai peur un petit peu. On va juste mettre un autre condensateur. Là, comme ça. Bon, il s'en vient finalement, là. Ouais, il vient plugger tout ça ensemble. Ah, tu peux pas te rendre là? Tu me niaises? Tu me niaises, tu peux pas te rendre là. Défais le mur, comme ça, tu peux te rendre là, là. Le fait aussi qu'il a tout placé ses affaires-là, puis là, il faut qu'il fasse le tour au complet pour aller là, là. Il refait le tour encore. Il ramasse un, il refait le tour encore. Ok, retourne encore. Ah ouais, ah ouais. Je sais, il fait noir, mais c'est correct, c'est la nuit là. Vous êtes supposé faire dodo en ce moment, non? Ok, là, installe le 1 là qui manque là, non? Vous avez juste décidé de pas l'installer cette semaine que ça va être là? Ah ouais, installe-le. Quelqu'un? N'importe qui. Faut juste une affaire, puis on est bon là. Il n'y en a plus de problème après ça, là. Ah ouais, vite un. Non! Quoi? Hey, t'es parti avec le fil électrique! Pourquoi t'es parti avec le fil électrique? Hello? Je sais pas, c'est quoi le problème? Je sais pas, c'est où? Y a-tu.
Bon, merci. Nous... Merde. On a-tu vraiment manqué d'électricité avec tout ça? Merde, on a besoin de... Merde. Ok, attends. J'ai pas beaucoup d'argent là, j'ai 6000. 1, 2, 3. On va prendre 3000$. C'est parce que ici, ça l'a descendu de combien? Ça l'a descendu... Ça devrait être assez, ça. Ok, là, j'ai besoin que vous venez faire ça, puis vous venez faire vite. Ils vont pas avoir à manger. Puis c'est les prisonniers les plus dangereux, ils vont pas avoir à manger. Non! Ok, on est-tu bon là? On peut-tu. Toi. Activer. Toi. Activer. Et. Activer. Ok, on est bon. Ok. Ok. Y'en a pas de problème. Tout va bien. Tout. Hey Koji. Qu'est-ce que tu fais là? Koji, elle me regarde.